C'est-à-dire que tout l'ensemble des besoins qu'a un enfant en France sur des questions éducatives ou pédagogiques doit être pris en charge par la puissance publique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez, par exemple, à la maison, quelqu'un qui vous apprend, vos parents en l'occurrence, que la place de la femme, c'est à la cuisine, bah, vous savez, il n'y a que les enseignants pour enseigner le contraire. Donc l'école est le lieu de l'affranchissement. L'école est le lieu de l'émancipation. Et c'est pour ça qu'en 2014, il y a une loi qui s'appelle la loi de la coéducation, qui donne aux enseignants, non pas le droit, mais le devoir d'éduquer aussi nos enfants. Parce que quand les parents enseignent des conneries, excusez-moi de le dire comme ça, d'un point de vue du droit français, d'accord, aux enfants, et bien il n'y a que les enseignants pour le faire. Donc il faut que tous les enfants, qu'ils soient riches, pauvres, du nord, du sud, aient accès au même pack scolaire. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de proposer, non pas sur la gratuité, on appelle ça gratuité, mais c'est le libre accès, c'est-à-dire la prise en charge par la puissance publique du droit commun pour les enfants.